Et bonjour toi, je suis content de te retrouver. Tu vois, comme promis, c'est l'école qui s'invite chez toi, en images et en son. Tous les jours à venir, on va continuer à travailler avec toi. Tu vas recevoir du travail préparé par tes professeurs, pensé pour toi. Pour réussir ces journées, il va falloir respecter certains conseils que vont te donner les professeurs dans cette vidéo. Je compte sur toi. Un gros bisou de l'école. Alors attention, il va falloir se mettre au travail, mais pas plus de 3 heures par jour. Ok? Je compte sur vous et à bientôt. Une journée de travail à la maison, c'est comme une journée de travail à l'école. Il y a du temps pour te concentrer et il y a du temps pour t'amuser. Alors pense à organiser ta journée. Alors me voilà sous les cocotiers. Eh non, c'est une blague, je suis comme vous, à la maison. Alors voilà, c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à nous envoyer des petits mots, des messages vocaux, pour nous faire partager vos trouvailles, vos astuces, vos difficultés. Voilà, c'est pour vous dire que on est là et on va garder le lien. Voilà, à bientôt. Bon, et le plus important, surtout, ne pas oublier ton cahier et ton stylo avec lesquels tu dois travailler tous les jours. D'accord? Sortir un peu de l'ordinateur. Allez, je compte sur toi et portez-vous bien tous et à très très bientôt. Et pour finir, quand vous avez bien travaillé, que vous avez été bien sérieux, vous avez le droit de vous amuser! Une journée de travail à la maison, c'est comme une journée de travail à l'école. Continue. Il y a des Recommence, temps. recommence, recommence, recommence. Une journée de travail à la maison, c'est comme une journée de travail à l'école. Il y a des temps pour te concentrer et il y a des temps pour t'amuser. Alors pense à organiser ta journée.